travaille chez Century 21 depuis maintenant 9 ans. J'ai fait un master 2 en management et gestion des services immobiliers en alternant chez Century 21. Et donc, je suis maintenant chez Century 21, quartier latin, donc Paris 5e. Donc, le réseau Century 21, c'est le premier réseau d'agences immobilières au monde. C'est un réseau qui, comme son nom l'indique, vient des États-Unis. Il arrive en France il y a maintenant 30 ans, puisque justement, on fête nos 30 ans cette année. L'agence Century 21 Quartier Latin, elle existe depuis 1989 et mon directeur actuel, donc monsieur Hervé Rampenot, a lui racheté cette agence en 2007. Il a aujourd'hui donc trois agences, une sur le boulevard Saint-Michel, une Quartier Latin ici et une sur la rue des Boulangers. Alors en fait, j'ai découvert Vitrine Média avec mon directeur à l'occasion de l'atelier management qui s'est déroulé à la Baule en octobre dernier. Et donc il y a toujours un atelier des exposants. Et à ce moment-là, on a été voir avec mon directeur les nouveautés et on a vu donc Vitrine Média à ce moment-là. On a changé de luminaire pour plusieurs raisons. La première, c'est une qualité d'impression supérieure, une meilleure visibilité également avec les annonces qui sont, de ce que l'on constate en tout cas, plus lumineuses. Et une autre raison qui est en fait que c'est plus simple à nettoyer. Ce qu'on attend, c'est une meilleure attractivité. Parce que, comme je vous l'ai dit, la vitrine, c'est vraiment le premier regard qu'ont les clients sur l'agence. Et c'est quasiment le plus important. C'est ce qui va faire que, oui ou non, ils vont pousser la porte. Et donc, ce que j'attends de cette nouvelle vitrine, c'est qu'ils aient encore plus envie de venir voir ce qu'il y a à l'agence et de venir nous rencontrer directement. On est visible de notre trottoir, bien évidemment, mais également du trottoir, du trottoir en face. La concurrence est sévère, ils ont de belles vitrines et je pense que du coup, il fallait vraiment qu'on se mette au diapason. Et je pense que là, on ne s'est même pas mis au diapason, on s'est vraiment mis au-dessus, on a pris un petit temps d'avance. Ce que va, à mon avis, aussi nous apporter cette nouvelle vitrine, c'est surtout un gros coup de jeûne par rapport à notre ancienne vitrine. On a besoin vraiment d'être encore plus pro sur la qualité. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de concurrence, donc il faut vraiment être pro sur la qualité. Et je pense que ça, c'est une vitrine vraiment de qualité. Et c'est d'autant plus important que c'est vraiment la première étape du parcours de nos clients. C'est-à-dire que c'est le premier point d'ancrage que nous avons, nous, avec nos futurs clients.